On reçoit. Nous attaquons cette fois-ci au monde de la presse. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Philippe Mvaux, qui est le président du Conseil supérieur de la liberté de communication du Congo. Monsieur Mvaux, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi et je pense pour notre équipe pour venir, parce que vous ne venez pas dans notre studio, nous sommes chez vous au Conseil supérieur de la liberté de communication. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous aimez vraiment la presse? Et prouvez-le, dites-nous un peu si vous aimez la presse. Merci beaucoup, moi j'aime la presse. On ne peut pas être littéraire comme je le suis et puis ne pas aimer la presse. Ce que fait la presse au quotidien, c'est de la littérature, mm-hmm. à tous les points de vue, au sens large du terme. Et donc je ne peux qu'aimer la presse. Et puis je vais vous surprendre pour vous dire que lorsque... En 1972, je suis admis. La première orientation qui m'a été faite, c'était de devenir journaliste. Et donc, j'étais orienté en histoire et géographie en vue du journalisme. Ça veut dire que je devais être spécialisé comme journaliste en matière d'histoire et en matière de géographie. Hélas, le sort en a décidé autrement, je ne le suis pas devenu. Alors, il y a quelqu'un, il y a un de vos collègues, le ministre d'État, qui avait dit qu'il y a souvent des destins, vous êtes souvent attaché. Donc, même comme si vous avez fait autre chose, vous êtes toujours revenu dans le monde de la presse. Alors, je voudrais que vous le prouviez. Vous l'avez déjà prouvé que quand vous étiez à l'école, on a voulu vous orienter vers ce domaine. Donc, ça veut dire que vous l'aimez. Alors, mais c'est quand même surprenant que vous aimez la presse. Et pourtant, quand vous étiez ministre de l'hydraulique et de l'énergie, vous n'appréciez pas du tout les tirs croisés de la presse locale, qui voulait mettre son nez sur la manière que vous gérez votre ministère, notamment l'hebdomadaire L'Observateur du défunt Simplice Ghislain Onguia, et puis contre laquelle vous aviez voulu même intenter un procès en justice pour diffamation. C'est vrai ou faux? C'est très faux. C'est très faux? C'est faux sur toute la ligne. Au contraire, s'il y a des ministres à cette époque, au moment où j'étais au gouvernement, s'il y avait des ministres qui étaient très très proches de la presse, ben, j'en faisais partie. J'étais très souffle chaque fois que j'avais été sollicité par la presse, la radio et télévision nationale en premier. Mais j'étais toujours là, j'avais toujours et toujours répondu. Et je communiquais beaucoup, parce que le président de la République, en conseil des ministres, nous le conseillait assez souvent, il dit « il faut absolument communiquer abondamment pour que le programme du gouvernement soit bien suivi, soit compris par la population. » Et c'est à cela que, ayant compris cette instruction, je communiquais beaucoup. J'ai demandé même à la presse de venir. Maintenant, le cas de l'Observateur, je n'ai absolument rien contre l'Observateur. L'Observateur était un des journaux à cette époque qui avait une très belle plume, et moi je suis toujours et toujours, ça c'est par nature, par formation d'ailleurs, je suis admiratif de ceux qui écrivent bien, de ceux qui ont la belle plume. Et l'Observateur, à l'époque, oui, écrivait bien. Organe satirique, c'était, je crois, défini comme tel. Je pensais que la satire utilisée par l'Observateur dépassait les limites même qu'impose ce sous-genre littéraire. Et c'est ainsi que moi, je n'étais jamais d'accord avec des affirmations faites par le journal L'Observateur, et puis avec le président ou directeur général, je ne sais pas comment ils sont appelés. Simplice Ghislain, Dieu est son âme, je n'avais absolument rien contre lui. Individuellement, on n'avait pas de problème. Je n'ai jamais eu de problème individuel avec un seul journaliste. Mais sauf que lorsque on écrit des articles à la commande, ce n'est plus du journalisme. Et même si l'on peut commander des articles, il faut que ces articles soient soignés, que l'on mène une petite enquête pour coller ces articles à la réalité. Lorsque, par exemple, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il manquait de l'eau dans les robinets et que au matin, vous réveillez, l'Observateur écrit et dit qu'on a ramassé des cadavres au Djoué, tout simplement parce qu'il a manqué de l'eau. C'était quand même assez gros. Mais le Djoué, c'est un fleuve, il est là, il coule, et les gens vont au Djoué par loisir ou par s'amuser, se baigner au Djoué. Alors si maintenant il y a des accidents, des noyades, ça n'a absolument rien à voir avec de l'eau qui ne coulait pas dans les robinets. Donc c'était des affirmations de ce genre, je me suis dit, ben quel journalisme. Et moi j'ai été formé dans la critique. Et donc la critique, moi je sais la recevoir.
Mais une critique oisive, moi, ce n'est plus de la critique, ça. Une critique doit être bien mesurée, doit être sensée, doit coller véritablement à la réalité. C'est une critique que j'appellerais une critique intelligente. Mais lorsqu'il devient une critique du genre diffamatoire à souhait, ce n'est plus de la critique. Ce n'est plus de la critique. Et quand vous dites que c'était des articles commandés, par qui ? Commandé par des tierces. Moi, c'est ça, je m'en rendais bien compte. Je n'ai jamais reçu chez moi un seul journaliste de l'Observateur. Jamais rencontré un seul journaliste. Donc, vous aviez des gens qui étaient contre vous et qui. Je supposais. Parce que si ces journalistes allaient à la source de l'information, venaient dans mon cabinet, allaient à la SNE pour se saisir des réalités de gestion, de gestion de la situation aussi grave qu'était à l'époque les délestages. Si les journalistes de l'Observateur et même d'autres journaux allaient à la source chercher l'information, le pourquoi le manque d'eau au robinet ou la rareté de l'eau au robinet, je crois qu'ils allaient avoir la véritable information. Mais quand on s'enferme chez soi et on se met à écrire des choses que l'on ne contrôle pas, dont on n'a pas la maîtrise, on peut à ce moment-là supposer que ce sont des articles qui sont à la commande. C'est tellement d'autres personnes pour des raisons qui sont les leurs. Et jusqu'à aujourd'hui, dans notre presse, c'est ça qui est en train de se passer, qui est en train de se contester. D'accord. Surtout dans la presse écrite, j'insiste. D'accord. Et c'est ça qui vous avait poussé d'intenter un procès contre le feu Ghislain Ogunia? Non, excusez-moi, une telle idée n'était jamais venue. Je vous ai dit que je suis pour la critique, je ne peux jamais porter plainte contre quelqu'un parce qu'on a... Non, je n'ai jamais tenté un procès contre Onguya, absolument pas. D'accord. Si c'est une information que vous avez, alors elle est totalement fausse. Alors, maintenant, on va revenir sur cette presse congolaise. Alors, dites-nous, quelle presse lisez-vous et quelle radio ou télévision écoutez-vous ou regardez-vous? Aujourd'hui, je deviens le père de la presse. J'allais dire, d'une manière générale, le père des médias au Congo. Je ne peux donc pas avoir de préférence. Et si j'en ai, je ne peux pas le déclamer ici. Ah oui. Et donc, moi, je lis tous les journaux qui sortent, les bons, les mauvais. Mais enfin, ce sont des journaux congolais. Je les lis. Et d'ailleurs, mon rôle me donne cette obligation de m'informer et donc de lire absolument, j'allais dire systématiquement, toutes les parutions, toutes les livraisons. Bon, si je ne le fais pas, le dire que je le fais, ce serait certainement exagéré, mais je suis bien organisé dans mon cabinet, où ici, au sein de l'institution, nous sommes bien organisés, il y a des services qui sont mis en place justement pour suivre. Il y a ce que nous appelons des services de veille, et donc qui veillent à la régularité des parutions des journaux, à la lecture des journaux, et qui regardent dans leur analyse les aspects d'éthique, si les aspects d'éthique sont respectés, si les aspects déontologiques sont respectés. Et donc nous sommes très bien organisés, et en cela, je suis au quotidien informé. Vous êtes au quotidien informé. Monsieur le Président, quand vous étiez ministre, vous aimiez lire l'Observateur, mais quand même, quand vous êtes devenu... Si vous êtes le patron de toute la presse congolaise, vous deviez quand même avoir un ou deux titres qui vous intéressent. Vous quand même dites-nous, ça n'empêche pas que vous êtes... Vous revenez sur l'Observateur, je ne comprends pas pourquoi. Je lisais l'Observateur comme je lisais La Rumeur, comme je lisais Les Échos, comme je lisais, je ne sais pas moi, il y a un autre journal, je ne vois même plus ce journal sur les rayons. Le journal de Marseille, Asie de Marseille. D'accord. Asie de Marseille, Asie de Marseille. Je lisais même son journal, comment est-ce qu'on l'appelait déjà Le Choc. Le Choc. Le Choc, oui. Le Choc. Asie de Marseille, donc, d'accord. Je lisais aussi, et puis depuis mon enfance, depuis l'école primaire, moi j'ai le premier journal d'ailleurs que j'ai connu dans ma vie. Mais c'est la Semaine africaine. Je lisais la Semaine africaine et je continue à lire la Semaine africaine parce que c'est un journal, c'est l'ancêtre de la presse écrite et chez nous. Congolaise. Et la presse africaine aujourd'hui fait office d'école journalistique en matière de presse écrite. Je ne suis pas là pour faire sa propagande, mais je ne dis que la vérité ou sa publicité, mais je ne dis que la vérité sur cette presse. Mais sinon, les autres journaux, moi je les lis, la Nouvelle République que je lis, Mouti à l'époque je lisais, je lis aujourd'hui Le Patriote, je lis au quotidien, je ne manque pas d'avoir un numéro de
des dépêches de Brazzaville, et tout, je lis tous les journaux, mais enfin, que ceux que je n'ai pas cités ne puissent pas m'en vouloir, ils pourront certainement dire, mais comment le président peut avoir un parti pris pour tel journal? Non, je lis tous les journaux, je continue à lire l'Observateur. D'accord. Bon, maintenant, ça c'est la presse écrite, et la presse électronique ou audiovisuelle? La presse audiovisuelle me semble être la presse la plus sérieuse chez nous, il faut l'avouer. Celle qui nous fait extrêmement honte, c'est la presse écrite. À travers certains journaux, ma foi, se disant satiriques. Pourquoi vous dites mais ça? Mais qui, à l'école, ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que c'est la Monsieur satire. Monsieur le Président, pourquoi vous faites cette distinction en disant que la presse audiovisuelle fait honneur et puis la presse écrite, c'est vraiment l'humiliation, la honte? Mais moi, je juge à travers les prestations. À travers les prestations, à travers les performances au jour le jour. Je ne vous flatterai pas, j'allais vous citer, mais enfin, comme vous êtes là en train de me tutoyer, moi, je ne vous cite pas, alors. Mais sinon, autrement, la presse audiovisuelle, c'est la presse qui colle à la déontologie, qui fait bien son travail. Les émissions, le champ des émissions n'est certainement pas élargi d'une télévision à une autre. Il faut une certaine diversification. Il faut créer, à travers des thèmes tout à fait nouveaux, des thèmes sociaux, des thèmes économiques, des thèmes politiques. Il faut les diversifier, hein, pour enrichir justement vos programmes. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. À partir de ce moment-là, on aura une presse audiovisuelle, ma foi, digne de ce nom. Or, aujourd'hui, comparé à la presse écrite, ce n'est pas la même chose. Vous avez quelques journaux qui tiennent bien la route, qui respectent les principes de déontologie. Vous sentez à travers leurs écrits, que ce sont là des journalistes qui ont appris, qui sont allés à l'école, qui ont été bien formés et qui, sur le terrain du travail, eh bien, collent leur formation à la réalité sociale, à la réalité politique s'ils embrassent ce terrain, parce que la plupart des journalistes se passent pour des spécialistes de la politique, des politologues, alors qu'ils ne le sont pas. Nous n'avons pour la plupart de nos journalistes que des généralistes. À partir de ce moment-là, il faut savoir, lorsque vous voulez traiter d'un sujet qui demande des connaissances spécifiques, il faut savoir traiter ce sujet-là. Il ne faut pas embrasser pour embrasser. Et donc, disons-le, ne cachons rien. Jusque-là, je ne suis pas déçu par la presse audiovisuelle, mais cependant, la presse écrite, avec la presse écrite, on a du travail à faire. D'accord. On a du travail à faire avec la presse écrite congolaise. Ça, c'est la parole de M. Philippe Vau, le patron de la presse audiovisuelle et écrite aussi, de la presse en général, même électronique en ligne, du Congo. Alors, M. Philippe Vau, vous avez parlé des journaux que vous lisiez. Nous voulions aussi savoir les grandes plumes de la presse congolaise, la presse écrite, si vous les connaissez quelques-uns, un ou deux. Je ne vais pas vous demander de citer cinq. Je les connais, mais je ne citerai personne. Eh bien, tout simplement parce que ceux que j'aurais cités s'afficheront comme les préférés du président. Le président n'a pas de préférés. Moi, j'aime tous. J'aime tous les journalistes, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui parlent. Et donc... ils sont là, ils écrivent, je lis, c'est vrai. Mais j'ai mes appréciations. Je ne peux pas comme ça le proclamer pour dire que je préfère l'écriture de tel, tel, tel journal. Non, ce n'est pas un problème de préférence. J'ai cité les journaux, je trouve que c'est mieux. Dès lors que j'ai cité tous les journaux, oui. J'ai dit tous les journaux sont des journaux congolais, je les lis, c'est déjà tant mieux. Et si je les lis, ça veut dire que tous ceux qui écrivent dans ces journaux, ma foi, trouvent de ma part... une certaine considération. Une certaine considération. Alors, de manière générale, comment jugez-vous cette presse? Je vais faire une distinction parce que vous l'avez fait vous-même. La presse écrite. La presse écrite, disons que mon appréciation sera mitigée. Il y a des journaux qui font du bon travail. La langue, plutôt la plume, ils tiennent une très bonne plume. Lorsque vous lisez ces journaux-là, que je ne voudrais pas citer, en tout cas, vous êtes tout à fait satisfait. Vous avez quelque chose à tirer. La valeur de l'information qui est donnée, vous savez que c'est une information vraie qui colle à la réalité. Si c'est une information politique, elle est vérifiable. Si c'est une information sociale ou sociologique, elle peut aussi être vérifiée. Et la manière de rendre satisfait aussi, à partir de ce mois-là, on ne peut qu'être content d'une telle presse qui joue son rôle, le rôle d'informateur et le rôle aussi de formateur.
Est-ce ça le cas de la presse écrite congolaise en général? Ce que mais vous non, dites là. Vous m'avez posé la question, moi j'ai fait la distinction. Oui. Je fais la distinction, je dis dans cette presse, voilà. Il y a, je ne peux pas généraliser. Hein. La généralisation ici est impropre. Mais cependant la typisation, oui. Typisation a paru une catégorie donnée. Il y a une catégorie de la presse qui s'illustre, ma foi, dans le sensationnel. Moi, je dirais le faux sensationnel. Lorsque l'on fait de la rue la source d'information, une telle information ne peut pas être fiable, on ne peut pas la vérifier. Parce que la rue, ce que la rue délivre ou livre, c'est quoi? C'est de la rumeur. Or, la rumeur n'est pas vérifiable. C'est la chose la plus abstraite qui soit. Vous ne pouvez pas savoir d'où est née une telle information, qui la développe. Oui, voilà. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on vous livre, des informations qui sortent de la rue, moi je dis, ce n'est pas des informations qui sont fiables. Et lorsque vous cherchez à les vérifier, vous vous abrutissez davantage parce que, ma foi, vous n'aboutissez à rien. À rien. Mais avez-vous été victime de ce genre de presse-là, ce presse de la rumeur? Ben moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit ici à travers ce que j'avais eu comme incompréhension avec l'Observateur à l'époque. D'accord. L'Observateur à l'époque, c'est tout. J'ai dit incompréhension avec l'Observateur. Et en dehors de l'Observateur, vous n'avez jamais eu autre problème avec d'autres presses? À l'époque. À l'époque. À l'époque, non. Je n'ai pas eu de problème avec d'autres presses. Non. Mais ces presses-là vous ont aidé quand vous faites votre traversée du désert. Cette presse que vous dites qui colporte la rumeur. Quand il y avait la traversée du désert, cette même presse vous a aidé. En faisant quoi? En colportant ce que vous dites quand vous étiez dans l'opposition. Ah, mais ça, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien. Je ne crois pas avoir lu, ma foi, certains propos que j'aurais à l'époque prononcés. Peut-être pas vous. Je ne crois pas. Vous êtes un membre du PCT, vous supportez le président Sassou. Oui. À l'époque, quand le président Sassou était traversé le désert, ces mêmes journaux-là, quand on va maintenant aller sur la typification, comme vous avez ouais, dit, ouais. Était à la solde du président Sassou aussi. Non, absolument pas. Non, non, il ne faut pas dire des choses comme ça. La presse, lorsque le président Sassou traversait son désert, là, il n'y avait pas une presse qui était à la solde du président Sassou. Il y avait une presse...